Les villages ostréicoles, ils sont nés assez tard parce que l'État ne voulait pas qu'on construise au bord du bassin. Donc les gars, à la plus grosse marée du printemps, ils échouaient des pontons, c'est-à-dire c'est des grosses caravanes maritimes, tu vois, en bois là, et ils vivaient dedans tout l'été. Et un jour, ils ont eu l'idée de commencer à construire des maisons pour ne pas faire ce carancage tous les ans. Et c'est comme ça que les villages sont nés. Des gens qui disaient « Je me demande ce qu'ils vont faire dans ce pays où il n'y a que des pins et du sable. » C'est évident, c'était ben, on va dire la pampa, mais c'était. Mais c'était chouette, je vous signale. C'était beau aussi. «